Eh bien, bonjour à tous! On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur EA Teen Time. C'est parti! Et alors que j'attendais de lancer l'épisode, j'ai remarqué cette lumière là sous les coussins. Qu'est-ce que ça peut bien être? Est-ce que ce serait pas un niveau, une faille cachée quelque part? Comme ça. Alors forcément, il y a une raison. Il n'y a jamais rien au hasard dans ce jeu. Peut-être si je me change en truc de glace comme ça. Oh! Incroyable! Donc j'arrive dans mon fort de coussin. Qu'est-ce qu'on a ici? Jour 17, il fait si chaud. Je sais pas ce qui est arrivé à l'île, mais on aurait dit qu'un volcan était entré en éruption. Ces mafieux sont trop fiers pour l'admettre, mais ils ne sentent pas trop aimer la chaleur. En plus, ils suaient encore plus que d'habitude. Bonjour l'odeur. Donc c'est notre petit journal intime, d'accord. Et alors comment je pars de là? Il faut que je fasse comme ça? Il faut que je ressaute? Ah mais attends, il y a un fuel là. Ouais, je vais pas le récupérer. D'accord, ok, bon bah, c'est marrant de découvrir des secrets comme ça, mais bon, je m'attendais plus à un niveau, quoi. Alors, en parlant de niveau, le petit niveau du facteur, c'est parti. Il va même nous prêter un scooter pour la mission, le genre petit fantôme. Je me demande bien ce qui va se passer. À mon avis, il y a au moins un niveau après celui-là, parce que là, on va finir les contrats avec le fantôme, et après, il va nous faire un niveau pour qu'on récupère notre âme, certainement. Oh, il est magnifique avec son petit chapeau. J'arrive, mon ami. Oula, c'est pas le... J'adore l'onde de choc, frère. On dirait une bombe nucléaire. Salut. Are you ready to complete your contractual obligations? I'm not heartless. Ever so often, I sneak in the mailboxes and steal letters. Then, deliver them to my minions. That way, it's almost like someone cares about them. But our last mailman has gone. Oof. You'll have to do. I've got a gift for the occasion. Although it requires a special kind of hat to use. I hope you've got it. Bah, je l'ai en ce moment même, je pense. C'est quoi améliore avec ce scooter de postier? Oh, j'ai acheté un scooter pour rien. It's only a rental. I need it back before you leave. Remember to put it on your sprint hat, or it does absolutely nothing. Ok, on lui rend après. Ok. Dans ses courriers. Oula. What? Tiens, prends ton courrier. Qui veut du courrier encore? Bon, moi je vais suivre la route, je vais pas prendre trop de risques. Ah, courrier, oula. Attends, d'accord, ça lance un genre de bullet time. Tiens. Ah non, je pensais que c'était un bullet time, en fait, juste que ça arrête le scooter directement. Là, ici. Ah, et pourquoi le... C'est inversé, en fait. Ok. Non, il n'y a plus de route. Je suis livré à moi-même. Tiens. Qui veut du courrier? Oh, c'est quoi ça ici? C'est un cadeau? Je peux pas y aller. Courrier. Courrier pour tout le monde. Toi. Allez hop. Ok. Est-ce qu'il y a encore du courrier par ici? Il y a des pelotes, je serais tenté de la récupérer, mais en même temps j'ai un petit peu la flemme. Courrier pour ce monsieur là, il manque encore 4. C'est pas une pelote que je vois là. Si, c'est une pelote. Mais attends, bon, par contre celle là elle est gratuite hein. Ah non, elle est dans un... Putain, mais ils aiment trop les mettre dans la glace hein. Attends. Ça va pas se passer comme ça. Viens là toi. Oh là, ça va être chaud. Ah, bon c'est pas grave. Ça valait le coup. Hop là, la petite pelote, super. On va juste récupérer la vie perdue. Bon. Où est-ce que je le trouve? Il y en a encore 4 hein, en fait à livrer. À part là. C'est vrai que c'est plus bloqué ici maintenant. Tac tac tac. Oh. Ok, c'était pas par là.
Bon bah... Ah, courrier. Bon, je t'ai raté, toi. Ah ouais, ça, je le sens bien, les gars. C'est vraiment... Le niveau en mode jeu des 7 erreurs. Et forcément, le dernier, on va mettre 50 ans à le trouver. Ça va m'énerver, ça. Oh. Oh là là, ouais, ils sont cachés carrément. Bah, j'espère qu'il y en a plus de 10, hein. Comme ça, je suis vraiment pas obligé de tu sais, genre tous les trouver et qu'il y a un dernier qui est trop bien caché, là. Il y a un vendeur ici. Lui, il a pas besoin de courrier. Je l'ai livré, je crois, déjà. Ok, donc ça, ici, c'est fait. Par là, voyons voir. Qui veut du courrier, ici? Toi, tu veux un courrier? Ah, ici. Qu'est-ce que c'est que cet endroit là? Ah, c'est là qu'il y avait le manoir hanté, c'est ça? Plus qu'un. Hein. C'est là que l'enfer commence. En général, c'est vraiment ici que ça devient du n'importe quoi. Donc il y a une cloche ici. Je sais pas si on n'est pas obligé de venir. Hein. Ouais, ma théorie c'est que le dernier il se trouve pas là. D'accord. Peut-être que c'était avant. Hein. Ah ouais, mais. Ah, il est ici! Je suis sûr qu'il y en a plus de. Qu'il y en a plus de 10 en vrai. On n'aurait jamais trouvé 10 aussi facilement sinon. Ok, super! Voilà, contrat terminé, c'était le dernier contrat. On va voir ce que ça donnait. Ah, mais il y a la faille ici! Elle est là, la faille! Ok, ok. Oui, tu vois, il y a encore un gars avec le courrier ici. C'est sympa, ils ont prévu le truc. Parce que les jeux comme ça, enfin, les niveaux où tu dois rendre tant de trucs, en général, ils en mettent juste ce qu'il faut. Et alors, du coup, les derniers, ils sont impossibles à trouver. Voilà. Et là, ils en ont mis plus. C'est pour ça que... Ça n'a pas été cancer, merci. Merci aux bons développeurs de jeux que vous êtes. Allez, 19 fuel. Du coup, bah, il me reste presque plus qu'à relancer le même niveau et aller directement dans la faille. Hein. C'est-à-dire que les time drift, on aurait dû y faire attention avant, tu vois. Et pendant qu'on faisait les niveaux classiques, on aurait certainement remarqué les structures où se trouvent les failles, tu vois. Comme je viens de le faire à l'instant. Non mais je sais très bien que vous voulez que j'aille là, mais je c'est coincé en fait. Faut arrêter d'insister. Hein. Alors. Ça c'est fait. Ah, le final, où on va récupérer notre âme. Bah vas-y. Oh, joli, joli la petite île. C'est quoi résolution de contrat? On va libérer toutes les âmes. Ça ne peut pas être si simple. Vous m'avez déjà fait le coup une fois avec avec le cinéma là. Ah, peut-être qu'on va vraiment récupérer le truc. Non, regarde, il est entouré bizarrement, non? Est-ce qu'on peut le récupérer? Ça fait comme ah, c'était sûr. It popped off the moment he stopped being useful to me. And guess who else just became obsolete? That's right. You. Now that that possessed outhouse isn't bothering me anymore, and all those contracts of yours are tidied away, I don't need you around. Besides, you didn't think I was gonna let you keep all these time pieces, did you? They fell in my forest, kid. They belong to me!
Mon chapeau? Mais il est fou le gars, il m'a volé mon chapeau. Toute mon identité. Say goodbye to that little head of yours. D'accord. Oula, oh, wow, wow. Ok, mais j'ai plus du tout de chapeau du coup. Qu'est-ce que... D'accord, ça part en combat de boss complètement starbé. Sorry kiddo, blue doesn't suit me. And I guess that makes me invincible, huh? That's too bad. J'avais même pas remarqué que les ennemis se changeaient en bleu quand on pouvait frapper. Oh, oh, oh. Pourquoi pas 1000? Pardon? Comment ça? Comment ça? Oh! Wesh! Une petite seconde. Hein? Ok. Il est incroyable ce boss! Oh, la musique est folle. Ça me rappelle vraiment des... des combats de boss de Undertale. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Aïe! Did you just color me blue with my own attack? This can't count, right? Surely this doesn't count. That does it. Time to die! Oh là, oh là là! Wow! C'est un Saiyan le fantôme. Qu'est-ce que je vais faire? Aïe! J'ai rien compris! Je vois pas ce qu'il faut faire. Oh! Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce combat de malade là? Attends, on reprend où après Ah, ça repart sur le fight direct. Comment on passe comme ça? Ah ouais, d'accord. Je sais pas si je vais faire beaucoup de travail hein, par contre, parce que... Le combat il est stylé mais il est éreintant un petit peu. Hein? Pourquoi il a pas calculé qu'il était bleu cette fois? Là, je pense qu'ils font pas de la cinématique une seule fois. Enfin, ça marche comment? C'est lui? Non, c'est lui. Je comprends pas, je sais pas ce que je dois faire, je prends dans une direction, pour moi il faut pointer dans celle du vrai du coup, mais... Oh, oh, oh. C'est stylé hein. Aïe aïe aïe. Oh!
j'y arrive pas à ce truc. Dès qu'il me le fait, c'est un PV qui part, genre. Bon, là, ça se retente, en vrai, on a vu qu'il... C'est bien qu'ils pensent à tout, quoi. Tu sens que leur jeu, ils l'ont playtest de nombreuses fois pour éviter toute frustration inutile. Tous les jeux devraient faire ça. Hein. Ah non, j'avais sauté. Ok. J'avais pas réussi à le frapper là. J'avais pété un câble. Oh là là. C'est magnifique par contre les couleurs. Hein. Non. Je sais pas comment on les différencie en vrai. Je me dis ma manette elle a du mal hein face à Team Time. Hein. C'est trop pour elle. Oh, je l'ai battu. Let's go. Mais en fait, il était pas si compliqué que ça. Il était surtout très stylé. Oh, what? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une négociation comme avec l'autre là. So, let's make a deal, young lady. You get out of my forest and we never see you again. How's that sound for a deal? En fait, je suis trop curieux de savoir ce que ça donne si t'acceptes le contrat d'un méchant, tu vois. Mais en même temps, on a trop besoin de ces fuels. Ah bah d'accord, en fait j'ai pas vraiment de choix à faire. Dégage, dégage très loin. Get out, regarde des photos. Bah en fait je vais pas accepter. Zoomer. Ah si, je vais être obligé de signer. Il me force, mais regardez, je pense que ma signature ça va être genre un doigt d'honneur ou un truc comme ça. Ah? On s'est arrêté au milieu? Oh! You understand that's not how contracts work, right? I'm giving you a chance to scram, kid. There's no catches or clauses this time. What if I give you your soul back? Will that make you leave? Ouais, et aussi vite que d'habitude. Oh non, quel enfer. No? Hello? Are you there? Why aren't you saying anything? You're quite the character, aren't you? And a tough negotiator. Fine. I'll sweeten the deal for you.
Ah. Here, take my last timepiece. If I continue to see you around my forest after this, I'll be very disappointed. Ah ouais, mais il faut bien que je retourne pour les failles temporelles, hein. Je suis désolé, mon gars. Je vais vraiment lui pisser dessus jusqu'au bout, genre. Je l'ai forcé à abandonner tous les fragments temporels, et en plus, je vais quand même retourner dans sa forêt. Oh là là, pauvre fantôme, il n'est pas prêt. Après, peut-être qu'il nous réserve une belle surprise aussi si on va dans sa forêt alors qu'il a tout fait pour qu'on n'y aille pas. Je sais pas pourquoi il veut pas de nous, d'ailleurs, en fait. Parce qu'à la limite, il voulait garder les trucs temporels. Ça s'explique, tu vois. Là, au final, il nous a tous donné, alors pourquoi il veut pas qu'on revienne? On est plutôt sympa quand même, je trouve. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Le final, il est complété. Et alors, on peut retourner ici. Je prends même pas de... Ouais, tu vois, en une seconde, j'y retourne direct. Aucun respect. Et comme ça, on va aller choper la faille, là, avant qu'on oublie où elle se trouvait. On approche, hein. Presque les 25. Alors ce que je trouve dommage, c'est que du coup les niveaux aériens là qui étaient trop cool, on n'a pas pu en faire tant que ça au final, puisqu'on s'est retrouvé coincé. Hop. D'accord. Il y a des thunes et tout à récupérer ici. Oh super. Non mais ce niveau cache tellement de trucs. C'est abusé, regarde-moi toutes ces pelotes là-bas. Je sais même pas comment on y accède à celle-là. Faut que je frappe le crâne au-dessus peut-être. Ah, il regarde deux ennemis, ok, si je les tue. Hein? Et deux. Et alors? Ah oui, c'est ça. Ok. Allez, une pelote de plus. Il me semble que la faille était pas très très loin d'ici. Ah, attends, je vais pouvoir choper cette pelote aussi assez facilement. Tac. Tac. Oh, je suis passé à travers! C'est possible ça. Mais ça fait deux fois que je passe à travers là. Je suis pas fou, je me vois clairement passer dedans. Mais qu'est-ce que... C'est quoi cette blague là? Aïe! Wesh! Wow, comment elle est vénère elle! Mais pourquoi? Oh! Ça marche plus! C'est un sketch qu'on est en train d'assister là. Mais oh là là, en plus ça veut pas marcher des fois. Mais Nick, en fait, il faut savoir que je spam carré, hein. Alors des fois elle va dasher dessus et là des fois elle va pas, elle va juste pour crever, genre. Trop bizarre. Bon, j'espère que ça me laisse les pelotes que j'ai récupérées juste avant, quand même. Mais elle me fruse de fou. Je veux la choper avant la fin de l'épisode. Ah, voilà! Je sais pas, il y a peut-être un problème avec... avec la map comme on l'a été chargée avant, parce que j'ai fait exactement ça 3 ou 4 fois et ça marchait pas. Bon, du coup la faille est ici. Mais nous on va se laisser là pour cet épisode EAT in Time. J'espère que vous avez passé comme d'habitude un très bon moment en ma compagnie. Et on se retrouve vite pour la suite de l'aventure. Ciao.